La rétrospective Bernard Venet s'intitule 2019-1959. Nous avons inversé les chiffres. L'idée est de remonter dans le temps, partir de maintenant, de l'actualité de l'artiste aujourd'hui, de ce qu'on en connaît un tout petit peu, et c'est vrai qu'on connaît la plupart du temps ces sculptures, et de voir comment ces sculptures sont non pas nées quelque temps auparavant, mais comment il en arrive ici. Bernard Venet, au cours de sa carrière, s'est trouvé souvent pour son art au bon endroit, au bon moment, mais pour sa visibilité, souvent un tout petit peu à contre-emploi. Son tas de charbon de 1963, qui est devenu aujourd'hui une œuvre phare, qui à l'époque était complètement incompréhensible, c'est l'idée de faire une sculpture qui soit à la fois une forme et qui soit totalement informelle, qui joue sur la gravité. Alors la gravité est extrêmement simple, hein, c'est le geste de la pelle qui fait que ce tas de charbon est totalement étrange, et il faudra de nombreuses années avant que, rétrospectivement, nous ayons conscience que tout l'art de la fin des années 60 qui s'intéresse à l'art informel naît à un moment ou à un autre avec Bernard Venet qui s'essaye à cette sculpture totalement étrange. C'est intéressant d'avoir ce regard rétrospectif parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation absolue, conceptuellement, sur les travaux du début et ceux d'aujourd'hui. Alors que je parle toujours d'un art qui est autoréférentiel, qui n'a qu'un seul niveau de signification autant que possible. Je ne suis absolument pas mathématicien et je n'étais pas du tout bon en mathématiques quand j'étais tout jeune. Je m'intéresse aux mathématiques uniquement pour ce qu'elles me permettent d'apporter au contexte artistique. C'était pour moi un moyen de sortir de la tradition de la peinture figurative et de la peinture abstraite. Comme mon intérêt réel en art, c'est de poser des questions, de voir jusqu'où on peut pousser les limites, eh bien, je m'apercevais, lorsque j'ai commencé à faire ces œuvres-là, que j'étais dans une direction qui était tout à fait nouvelle et j'ai décidé de l'explorer au maximum. Ces sculptures extrêmement physiques, extrêmement lourdes, c'est un travail absolument éprouvant, épuisant, parce qu'on doit passer 10 heures par jour à se battre contre ces barres d'acier. Vous savez, vous essayez de la tordre dans un sens, mais vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser la machine qui le permet, et donc elle part un petit peu ailleurs. Donc chaque fois, il faut se remettre en question. C'est un travail d'improvisation permanent, et c'est vraiment une lutte, une véritable lutte.